Pardon, avec plaisir. Le bureau des hommages, santé. Enchanté. Des bonnes manières. Faites seulement, s'il vous plaît. Madame, monsieur, bonsoir. Le thème de la semaine, à la photocopieuse. Vous le savez, la photocopieuse incite à faire des blagues. Certaines sont peu originales. Attends, non, non, mieux, mieux. D'autres dangereuses. Aïe. Ce genre de machine se recharge au tonnerre. Oh ben non, tout le monde ne connaît pas ce mot. Et ça marche plus. Ouais, y a plus de tonnerre. Ouais, ça s'est calmé, ouais. Bah, il faut aller en racheter. Hein? Lors d'un dysfonctionnement, les photocopieuses bipent. Ok, j'avoue, le cadavre est dans le coffre. Cela peut être violent. Je vais désamorcer cette bombe. Ou jouissif, pour certains. Dans une entreprise, les collègues y oublient souvent leurs documents. Par exemple, un bulletin de salaire. Hé hey Guy, on mange où à midi? Je sais pas. Mais c'est toi qui vas m'inviter, je crois. Hein? Ou d'autres choses. Régulièrement, ces appareils font trop de copies. Oh merde! Oh merde! Oh merde! Peu de gens savent mettre fin à ce problème. Oh merde! À l'instar de la machine à café, la photocopieuse sert de lieu de discussion. Ah ouais, mais tu rigoles, mais faut qu'elle prenne congé, hein. Attention aux abus. Ouais, mais les Foo Fighters, il reste encore du jambon madère? Notez que la nouvelle technologie offre beaucoup de fonctions. Copie. Nombre de copies. 2. Couleur. Non. Qualité. Normal. Impression. Laser. Un petit café? Volontiers, ouais. Pour terminer, n'oubliez pas d'entretenir votre photocopieuse. Merci de penser à remplir les bacs à papier. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Veuillez agréer la tendre expression de mes sentiments les plus distingués, bien à vous, etc.